Bonjour à tous, c'est Pux. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour du One Piece, comme je vous l'avais promis, me semble, avec le combat de Katakuri. Donc, ce sera un épisode pas forcément plus long que les autres, parce qu'on va se concentrer sur le combat. J'ai décidé donc de faire l'épisode 868, 869 et 870, si je ne m'abuse, en Pakai, c'est-à-dire en version originale. On avait vu que Luffy avait développé son haki de l'observation. Alors, j'avais pas compris, alors ça, vous l'avez bien précisé que. En fait, Luffy avait déjà l'haki, enfin tout le monde a en fait la possibilité de développer leur haki d'observation ou l'haki de l'armement, suivant quel personnage évidemment ben, ils le font ou pas. Et en fait, Luffy, on n'a jamais montré vraiment qu'il avait une capacité hors norme là-dedans. C'est juste qu'à ce moment-là, contre Katakuri, ils sont dit, enfin Oda s'est dit, je vais mettre en avant plutôt l'haki de l'observation, plutôt que l'haki de l'armement qu'on a plutôt vu contre Doflamingo. Donc voilà, je pense. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites... actions qui a fait que il a utilisé quand même déjà la kit d'observation, mais c'est vrai que moi pour l'instant j'avais jamais vu vraiment une fixette dessus. On a eu Rayleigh avec le flashback, etc., renforcé ce côté là donc on a vraiment face à Katakuri ce acquis de l'observation qui a été mis en avant clairement, et c'est intéressant. Bon, bref, allez c'est parti du coup, on lance. Alors du coup là c'est un épisode complet hein. Donc dans les épisodes complets, on a une introduction qui dure 5 minutes. Donc au moins ça me fait plaisir, on va pouvoir revenir sur ce qui se passe. Donc Big Mom est parti au niveau du gâteau voir Beji. Nami et les autres, ils vont sur l'île Cacao. Mais ils découvrent du coup, ok. Ils découvrent que c'est la merde. Et du coup, évidemment, Luffy contre Katakuri. Mais tout ce qu'on sait, c'est que bon, il se fait un petit peu acharné. Ah oui, on a vu qu'il n'était pas tout seul, Katakuri. Il y avait sa sœur Flambé. Non, comment elle s'appelle? Flampé. Ah. Il va devoir. Voilà. Il a dû deviner quand même, parce que bon. Attends, on va mettre pause direct, parce que là, j'ai envie de parler. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vu que maintenant, Flambé a attaqué Luffy n'étant pas. Enfin, il s'est fait attaquer un petit peu par. Par une vicelarde, faut dire ce qui est. Est-ce que Katakuri étant quelqu'un de très noble, de très droit, est-ce qu'il va pas se dire, voilà, il s'est fait attaquer par derrière, entre guillemets, est-ce que je vais, moi, me blesser pour être comme lui, et du coup, comme ça, on se bat en mode équitable. Parce que je le vois bien faire ça, Katakuri, parce que autant Doflamingo s'en bat les couilles, Doflamingo, ils s'en bat complètement les couilles, autant ici, Katakuri, je trouve qu'il a vraiment des valeurs un peu plus sympa quoi. Elle a compris. Il n'avait pas encore compris, ça veut dire. Ah si. En fait, il se remate le passage. Ah ouais, mais il est pas content, hein, ça se voit. Je pense pas qu'il va être content, hein. Sincèrement. Est-ce qu'il va la planter carrément, tu penses? Non, ça serait chaud. Est-ce qu'il planterait sa sœur parce qu'elle a interféré dans le combat alors que lui voulait pas? Oh! Il se plante lui-même. Oh, c'est grand malade! Grand malade! Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Je comprends pas pourquoi il a dû se rapprocher de Flampé. En mode, c'est votre faute, je fais ça à cause de vous, quoi. En gros, hein. Moi je le vois comme ça. Je vois pas pourquoi il s'est rapproché, quoi. Il aurait pu le faire plus loin, tu vois. Ah ouais, là il est en mode. Ah ouais, d'accord, c'est incroyable! Le message derrière est incroyable. Katakuri, c'est un. Il a vraiment des belles valeurs, putain de merde. Je l'aime encore plus. Hein. Tu vois, sa bouche, c'est qu'un détail. C'est qu'un détail. Ils ont peur, limite. Ah ouais, c'est ça. Tout le monde en fait pensait qu'il était trop stylé. Enfin. Personne n'est parfait. Hein. C'est ça le message aussi. Hein. Oh non, c'est ce qu'on lui disait. Attends, on va voir son passé, ça je m'attendais pas, c'est vrai.
qu'il a un passé, hein. Ouais, non, très très rapide, mais ouais. Pour dire voilà qu'il se faisait bah, un peu. Il ne calcule pas. Moi, je pense que. Je sais pas, je l'aurais imaginé quand même déglinguer sa sœur, mais. Il y a une musique intéressante là. Je sais pas si vous entendez la musique, mais pour ceux qui savent, il y a une musique intéressante là. Vous le savez, aussi bien que moi. What? Oh là là, là je me prépare un truc, hein. On dirait qu'il y a un, ouais, un concert qui va démarrer, genre. Parce qu'il reste rock'n'roll, un petit peu comme style, hein. Oh là là! Oh putain. Oh Haki des rois. C'est quoi ce. C'est la représentation du. Oui, le Haki des rois. Ok. Ok. Ah, c'est pas étonnant, hein, c'est pas étonnant. Vu les monstres. Par contre, c'est bien fait, hein. C'est super stylé. Waouh, waouh! Putain! Putain, comme elle est maigre! Comme elle a pris cher, quoi! Ah, elle bave de faim, quoi! Quelle grande femme! Elle gère! Elle gère! Et en plus, elle décide, elle s'en bat les reins! Hein. Père mafieux ou quoi? Ah, il fait confiance à sa femme. Il fait confiance à sa femme. Ouais, c'est ça. Il adore une femme à caractère. Tu m'étonnes. Ah, ça va, elle va bien. C'est vrai que Carotte, j'en ai pas parlé dans l'épisode précédent, mais Carotte, oh là là, Carotte. Qu'est-ce qu'elle était stylée. Punaise. Oh, attends. Quoi? Ils ont aussi une forme! Attends, imagine la puissance de Nekomamushi et Inuarashi en mode dark! C'est incroyable! Ça veut dire que Nekomamushi, ils ont au moins la puissance de. Inuarashi, quand ils sont en mode dark, ils ont au moins la puissance minimum de. Non, pour moi, ils défoncent tous les. Tout ce qui est commandant sucré ou bras droit de Kaido, hein. C'est sûr, hein. Je sais même pas si ah, en mode dark, enfin, j'appelle ça mode dark, hein, mode lunaire, Nekomamushi avec Inuarashi, est-ce qu'ils arrivent à tenir tête un petit peu à échanger des coups quoi, face à un Yonko? Peut-être. Bon là je suis déjà moins sûr. Hein. Il va nous faire un Getsuga Tensho. Mais what the fuck? Là ils vont pas l'éviter. Ah ma mazette de mazette. Ah ouais d'accord. Là il y a quand même Smoothie, c'est. Faut pas sous-estimer. Hein. Ça reste quand même un commandant sucré. Même si elle a pas fait grand chose si ce n'est sucer les gens comme ça pour choper leur énergie vitale en même temps la booster. C'est vrai, il a raison, il n'était pas obligé de faire ça. C'est ça qui est beau. C'est qu'il n'est pas obligé de faire ça. Mais il l'a fait. Quel homme. Putain, mais quel homme. Wow, attention, il se met en mode. Ah, oui, là, c'est vrai que du coup, en épisode complet, on a toute cette tension. Putain, mais qu'est-ce que ça manquait, ça, dans les cailles. Ah, ouais, mais non, mais là, c'est. Là, c'est. Ça, c'est plaisant, tu vois. Là, c'est plaisant. Ce moment où il se regarde, c'est plaisant. Moi, c'est ça qui me manque. Dans les épisodes d'aujourd'hui, dans les animes récents, il n'y a pas ça. Moi, ça me manque. J'aime bien cette tension. Oh putain, c'est. Ok, le bleu contre rouge. Ok. Ah ouais. Bam dans la gueule. Ah ouais, il se fait démonter. En même temps, il fait 5 mètres, le mec, donc il a un peu plus d'avantage. Hein. Ça peut faire one shot. Ça va pas te faire one shot, vas-y là! Vas-y, tu peux le faire!
Oui! Allez! Allez! Putain, c'est bon! Ah là 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 là! C'est vrai qu'il fait 5 mètres, mais Luffy peut allonger ses bras. Au final, il n'y a pas trop de différence de taille et de longueur. Ouh, là, il s'est mis des. C'est Mochi. Mochi au-dessus de l'armement? Ah oui, c'est pour faire ça. C'est vrai que. En vrai, Katakuri, il a des putains de pouvoirs. Moi, je trouve trop stylé. Sincèrement, c'est trop sympa ces pouvoirs. Il n'y a pas cette haine qu'on avait pu voir avant avec Doflamingo. Il y avait beaucoup plus de haine, etc. Là, c'est vraiment un combat pour la survie et pour les deux, du moins. Et se faire surtout plaisir. Est-ce qu'il y aura est-ce qu'il va éveiller quelque chose, Luffy? Moi, je vois pas un Gear 5. Par contre, je vois bien un éveil. Parce que de ce que j'ai compris, c'est le stade qui lui manque pour l'instant un petit peu. C'est l'éveil complet, ou du moins l'éveil partiel au moins de son pouvoir. On voit qu'en face, il est éveillé, donc il est plus puissant. Ça commence un petit peu à s'échanger les coups de manière égale. Quoi? Il y a 2 ans. Ah, on est sur l'île... Ok, ça m'intéresse de ouf, fou, de toute façon. Ça m'intéresse tellement. Ah oui. Parce que mine de rien, on dirait pas, mais c'est quand même, je pense, un entraînement assez vénère. Parce que mine de rien, déjà, il voit rien là. Ça avait l'air d'être des animaux quand même assez balèzes. Oula. C'est quoi le lion? C'est le beau lion, ça, hein. Il neige. D'un coup, il neige, tu sais. Mais genre, il neige en 2 secondes, là. À moins qu'il fasse plusieurs fois les mêmes répétitions et que ça montre que ça fait des mois et des mois qu'il travaille, mais... ouais, il compte une fois tout. Le dernier. Ah, c'est trop chou, en vrai, c'est trop bien. Ça me manquait, tu vois, de savoir plus à ce niveau-là, et c'est cool qu'il remonte les passages. Ok, du coup, il voit des choses. Maintenant, le problème, c'est qu'ils sont face à face, hein, donc au bout d'un moment, il faut qu'il ouvre les yeux aussi, mais... maintenant, comment il va faire? C'est ça que je me dis. Ok, il voit, très bien, il voit les choses un petit peu. Il voit venir, du moins. Mais qu'est-ce qu'il peut faire concrètement? Les émotions des humains et des animaux. Ok. Attends. Je sais pas si c'est fait exprès, mais de la manière dont il a dit la phrase, j'ai l'impression que ce qu'il a comme faculté, c'est assez unique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'un mec qui a aussi le haki de l'observation n'aura pas forcément ces attributs-là pour le sien de haki de l'observation. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Du coup, Luffy a un haki d'observation plus spécifique qui lie au niveau des émotions des humains et des animaux. C'est intéressant quand même. Moi, je trouve c'est intéressant. Ah voilà, donc ok. Donc il est au courant, en fait. Ah ouais, donc en fait, il l'avait déjà prévu, hein. Oh là là! Mais il peut aussi voir le futur, lui, hein. C'est ça qui est complexe. Il peut voir les attaques, mais en face, il peut voir le futur quand même. Donc il peut anticiper ses anticipations. Ce qu'il doit faire, c'est dépasser ça, ce stade-là. Putain! Oh là là! Oh oui, d'accord! Pouf. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Mais il a vu en face, hein, qu'il avait réussi à faire des dévis. Enfin, il a évité quelques coups... Ouh, il commence à toucher. En face, il faut qu'il soit serein, hein, on se rappelle. Pour bien percevoir le futur aussi, il faut qu'il se concentre un petit coup. Et on a vu que quand il le fait, le mode futur, c'est quand il a les yeux rouges, d'un coup. Il y a un petit... tchac, il doit scan quand même, tu vois. Voilà, là, il le fait. Tac. Il doit quand même scan la situation. Donc s'il est plus rapide que ça, Luffy, il peut le faire. Ça va s'arrêter là, non, hein.
Pas tout de suite, hein, merci. Il faut qu'il y ait un truc. Il manque encore ce petit truc. Pour le combat soit à la hauteur de ce que j'ai pu voir déjà jusqu'à présent. Il faut qu'il. Voilà. Vous avez compris. Attends, est-ce que lui, il va lui montrer une forme? Parce qu'on sait pas s'il a une forme, lui. Hein. Ça se trouve, il a une forme aussi. Parce que imagine, il a une forme et. Enfin, je sais pas comment Luffy peut faire, putain. Parce que là, on parle de Luffy, 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 forme, éveil ou quoi. Mais en face, Katakuri, j'ai pas l'impression qu'il est au max de sa forme. Hein. Et de sa puissance. Hein. Ah, flash. Back. Non. Ah non, on a juste changé d'horizon. C'était vraiment dur à jouer, je pense, ça, comme perso, quand même, en tant que Seiyuu. Tu dois avoir la psychopathe, en même temps, l'amoureuse. Ouais, ça prouve que Luffy est vraiment, vraiment, maintenant, pas sous-estimé. Au début, c'était en mode, ouais, mais c'est bon, c'est juste Luffy. Ah, anciennement! Ancien, c'est un ancien... C'est comme un sucré. Intéressant. La Joconde. Ah oui, ils sont vraiment... Au début, ils ont vraiment fait chier à tous les dessiner, limite. Je suis sûr qu'on les voit tous. Oh, on dirait un Madara à cheveux blancs. 10-40, hein. Très 10-40, mais... Ok. Il y a vraiment de tout. Il y a tout, tout ramené ici, quoi. Tout ce qui restait. Ok. Donc on n'est pas encore à la fin du combat, hein, s'il reste 1 heure. Oula. Oula. Oulala. Oulalalala. Gir. Force. Ah, Gir, pardon. Pourquoi je dis Gir? Gir. Force. Ok, donc là on connaît, hein. On connaît sa forme, hein. Ok. Ça on connaît, ça on connaît. Attends, on enchaîne. Allez, on reprend ici. Ça me paraît pas mal, c'est juste avant ce qu'on vient de voir, mais. Le truc c'est que vu que c'est. En vrai, épisode par épisode, il y a carrément 5 minutes que tu peux enlever de l'épisode limite, hein. C'est incroyable. C'est normal qu'ils font des cailles, hein, franchement. En vrai, je pense pas que dans le cas ils coupent beaucoup, hein. Enfin après j'en sais rien, je l'ai pas vu. Ça ok. Ça on est. Wow. Ça on est au courant, hein. Qu'il est très très vénère en cette forme. On se rappelle, il a quand même démonté Doflamingo comme ça. Cette forme est quand même pas dégueulasse, même si là, j'ai l'impression qu'elle est moins fructueuse. Oh, un coup de poing, il se le fait! Ah, mais elle est incroyable, Rayleigh. Rayleigh, je connais rien de lui, si ce n'est que c'est le bras droit de Roger. Hein. Mais bon, tu vois, rien que dire ça, tu sais que. Que c'est une brute quoi. Oh là là. Ah ouais, d'accord. En plus, il le fait à coup de poing. Il le fait même pas à l'épée ou quoi. Hein. Ah, il évite tout. Ah ouais, non, mais attends, mais. Tu sais, je me suis dit, il est un peu vieillissant. Mais quelle honte d'avoir pensé ça. Quelle honte d'avoir pensé ça, de dire qu'il était vieillissant. N'importe quoi. C'est un gros malade. Ok. Donc là, on sait qu'il se transforme du coup. Propre, toujours aussi propre. Hein. On dirait que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Allez, ça c'est propre. Trop stylé. Là, ils ont amélioré quelques animations quand même. Hein. De transformation. Ah ouais. Oh putain, j'ai cru que c'était les cheveux genre à la Goku, genre tu vois pas. Ah mais attends. Il a l'air plus fin, non? Mais pas plus fin. Du coup, il s'est maigri. Oh putain, les cheveux en l'air sont trop stylés. Oh. Attends. Wow! Il a touché. Il a touché. Ok. Il l'a pris en plein fouet. Il a résisté, hein. Il a résisté, hein. Il a pris. Il prend quand même les murs, mais il résiste à peu près. Aïe. Franchement. Ils font plaisir. Ils font plaisir parce que sincèrement, c'est dynamique. Hein. C'est dynamique. Ah, je l'aime beaucoup comme ça, hein, Luffy. Hein. Oh, incroyable.
Bah c'est moins relou que quand il saute, quoi. Ah ouais, mais d'accord! Lui, ils sont bas les reins. Putain! Il va prendre. Waouh, il va prendre une masse dans sa tête. Putain, allez! Oh là là là! Oh putain, mais qu'est-ce qu'il prend? Cher! Ah ouais, vas-y, qu'on puisse à colle. Walid. Oh putain, oh putain. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh putain, mais. Oh là là! Ah, tu ressens la puissance. Oh, tu ressens la puissance. Oh putain! Qu'est-ce qu'il a pris? Mais quel monstre, lui! Mais quel monstre! Oh là là, regarde ça! C'est un démon, le mec! Avec ses dents et tout, là. Mais non, mais arrêtez de me mettre ça au milieu! Ah non, juste... Allez, elle prend la main. Ouais, elle est contente. Je sais même pas quoi penser, franchement, de celle-là, maintenant. Elle est ridicule, elle devient ridicule, maintenant, au fil du temps, tu sais. Oui, passé. Hein. Oh, oui, c'est ça qui m'intéresse. Hein. C'est ça qui m'intéresse, oui. Ok, donc on revoit la scène. Enfin, même dans les propres épisodes, ils remettent les scènes. Ouais. Ça, on aime beaucoup ça. Si mon futur que je pensais est contré par ce que tu as fait comme coup de poing, j'ai pu contrer ton futur à toi parce que si je suis plus fort. Allez, ça commence. Les trucs de futur, de toute façon, chaque fois ça part en couille. Hein. Ah, il sait qu'il entend. Bah, il sait qu'il est vivant du coup. S'il a maté là, il doit savoir qu'il est toujours vivant. Putain, il a pris, mais ça va. Il dit juste, ça fait mal. Alors qu'il a pris un coup vraiment sec. Oh putain de merde. Attends. Ah, il est chaud. Oh, il est chaud. Il fume un peu. Oh, ah, il sourit. Oh, il kiffe sa race. Franchement, même si Katakuri perd ce combat, il aura été supérieur à Luffy, mais 90% du combat. C'est ça qu'il faut se dire. Même s'il perd ce combat, pour moi, il est tellement incroyable, Katakuri. Punaise, ils prennent des coups. Hein. Oh là là. Il se bat par contre, il lâche rien, le monsieur. Ah, il va se le prendre. Oh, oh, le double coup chacun, là. C'était beau ça. Encore une fois, tu vois, t'as l'impression qu'ils sont égalité et qu'on sait comme ça. T'as besoin de, t'sais, d'une bataille de Kamehameha comme à l'époque il y avait. D'une bataille de. Une attaque qui décide. Parce que c'est égalité là. Ils arrivent pas. Ils se prennent des coups tous les deux, ils commencent à prendre tous les deux des. Ils s'acharnent, tu vois. Ah, c'est autre chose ça. Ça, c'est autre chose. Hein. Ah oui, en fait, c'est le Gomu Gomu no partout dans la pièce et ça rebondit quoi. Oh, putain, lui il évite tout parce que voilà. Hein. Ouf, pas tout, presque tout. Il y a quelques coups qui passent quand même. Oh là là, voilà. Ouf. Et c'est le massacre. Oh là là là. Il est incroyable. Oi, oi, oi. Mais il se fait démonter. Il se fait démonter. Peu importe, hein. Il fatigue un peu quand même, hein, petit à petit. Attends. Seuls ceux qui vivent dans le présent peuvent lancer la nouvelle ère. C'est bien parce que ça parle de présent alors que là, il y a les combats qui traitent le futur. Enfin, je trouve ça intéressant, déjà la phrase. La petite citation, là, à ce moment-là. Enfin, c'est bien choisi, tu vois, c'est parfaitement bien choisi. Est-ce qu'il faut que je comprenne un truc, là? C'est le même, hein. Ça recommence la massue. T'as Cobra, Black Mamba, il fait tout, hein. Python. Oh, attention. Oh, c'est beau.
C'est beau! Non, c'est quoi, c'est quoi? Non, c'est juste de l'acharnement, putain, ça, c'était juste de l'acharnement. Oh! Ah, les deux se prennent le coup. Ça va s'arrêter comme ça? Attends. Alors, on va s'arrêter là parce que je pense que de toute façon, c'est la fin du combat. C'était le coup final, là, je pense. C'était le coup final. Alors, qu'est-ce que je peux en dire de ce combat? Déjà, avant tout, alors, j'ai beaucoup aimé ce combat dans le sens où c'était vraiment équitable. Et ça, c'est assez appréciable. C'est un petit peu comme, je sais pas, comme un combat. Si je compare à Bleach, c'était un peu comme le combat, c'était il y a un moment, mais Ichigo de Byakuya, le premier du nom, premier Bankai d'Ichigo, etc. C'était très 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 serré tout le long. Et ça s'est joué justement sur une attaque finale. Ici, de ce que je comprends, c'est un peu le même principe. On est sur des quêtes équitabilité. Les deux sont très très bons. Les deux peuvent un peu, enfin, peuvent voir dans le futur pour un, il est complètement éveillé à ce point-là. Luffy, il arrive à peu près à le faire aussi parce qu'il arrive à toucher Katakuri. Donc, tu arrives à toucher Katakuri, c'est que tu arrives à surpasser ça. Du coup, là, de ce que je comprends aussi, c'est qu'il avait une autre forme par rapport à contre Doflamingo. Doflamingo, il faisait juste son gear fort classique. Là, est-ce qu'on peut considérer que il a une phase d'éveil par rapport à son gear fort force parce qu'il peut se mettre en mode ben, affiné, plus rapide, parce qu'il est plus rapide, plus puissant de ce que je vois. Il a plusieurs attaques différentes et là, il nous sort une attaque finale du python masqué là. C'est assez incroyable. Donc moi, je vais garder que ça parce que je pense que c'est, enfin, pour moi, quand tu vois ça, c'est assez obvious que, à mon avis, les deux sont quasiment moitié morts parce que voilà. Hein. Mais je pense que Katakuri est battu, tout logiquement. Enfin, je pense pas que dans le prochain épisode, on va avoir beaucoup de choses de plus. Mais on va laisser le doute comme ça. Parce que ça m'intéresse de laisser comme ça le doute. Et on verra ça plus tard. J'espère que vous avez kiffé en tout cas l'épisode. Moi, j'ai beaucoup aimé cet affrontement. Alors, plus que celui contre Doflamingo, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai aimé le fait que... que Katakuri soit vraiment plus puissant finalement que Luffy tout le long, mais que Luffy en fait, via ce que Rayleigh lui a enseigné, via la hargne, parce que là on l'a vu la hargne hein, qu'il avait, il a réussi à continuer à prendre du terrain finalement, parce que petit à petit il commence à toucher Katakuri, il commence à échanger des coups. Petit à petit, les deux prennent des coups, et à la fin, les deux sont pris une grosse master patate. Et pour moi, Katakuri, c'est le genre de perso que tu touches une fois bien, c'est fini. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou bien? Alors que Luffy, il en a pris des coups. Hein. Il en a pris aussi des coups. Il en a pris des patates, t'as vu, il s'est fait démonter. Sincèrement, comme je l'ai dit avant, hein, Katakuri était au-dessus de Luffy 90% du combat. Et là, je pense que il s'est fait dépasser sur la fin. Maintenant, peut-être qu'il y a une petite suite... plus tard, mais du coup on va voir ça dans le prochain Kai. Je pense qu'on a vu en tout cas ce qu'on voulait voir sur le combat, j'espère en tout cas. Bref, à la prochaine pour d'autres épisodes du coup de One Piece. Je sais pas quand il va sortir le prochain. Tout ce que je sais, c'est que j'ai kiffé, laissez un gros like et à la prochaine, ciao ciao.